Eh bien salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, il est 19h, j'espère que vous allez tous très bien les amis. Pour ma part ça va nickel comme d'habitude, on se retrouve aujourd'hui pour le 13ème épisode de Sons of the Forest. Non, c'était pas ça que je voulais prendre. Non, non, d'accord, très bien. Non, je voulais en profiter pour grailler là, parce que justement, comme je me suis reconnecté sur le jeu, normalement, voilà, j'ai de la nourriture gratos, on dit pas non. On se retrouve aujourd'hui alors pour le 28ème jour, il est 6h52 du matin, le jour se lève, et on s'était quitté ici dans le dernier épisode. Oh purée, j'ai eu peur. J'ai eu peur de l'orage. On s'était quitté ici. C'est normal ça? Ah, c'était ça, oui, d'accord. Ah, oui, non, mais attendez. Excusez-moi, j'ai paniqué. Je me suis dit, pourquoi il y a de la musique triste d'un coup là? Ah, salut Kelvin. On s'était quitté là dans le dernier épisode. Puisqu'on avait fait le point d'exclamation et le point vert, le point d'intérêt. Et j'avais dit qu'on se retrouverait de nouveau à la base. Et en fait, que nenni, on fait demi-tour, on va retourner là-bas, pourquoi? Parce que les amis, souvenez-vous, la toute première imprimante 3D, c'est le point vert plus loin là-bas, là. Et voyez la plage? Voilà, c'était là-bas, en fait, qu'on s'était installé au tout début. Au tout début, au spawn, c'est là-bas qu'on s'était installé. C'est donc là-bas qu'on avait la première caverne avec l'imprimante 3D. Et sauf que, souvenez-vous, dans cette caverne là-bas, eh bien, il y avait une salle et il fallait une carte magnétique. Sauf que, messieurs, dames, nous avons la carte magnétique. Donc, il est l'heure, 13ème épisode. Donc, épisode de la chance, comme on dit. Alors, je sais pas si vous êtes superstitieux dans les commentaires, mais c'est vrai que épisode 13, ça porte toujours un petit peu chance. Donc, je me dis, c'est l'occasion de commencer cet épisode en beauté et d'avancer dans l'histoire en allant voir ce qui se cache derrière la porte. Donc, les amis, je vous retrouve dès que nous sommes arrivés. Oh putain! Wesh! Wesh! What? Hep. Moi je suis pas venu ici pour me battre hein. Mais ils sont combien frère? Il y a 3 brutes. What? Ah ouais c'est chaud, ah ouais c'est chaud. Bon les amis, le périple il est un petit peu long. Il est un petit peu long, je le voyais pas aussi long. Mais je pense que ça en vaudra la chandelle. Je pense que ça vaudra le coup. Et en plus, oh Ah d'ailleurs vous m'aviez dit en commentaire les gars que je pouvais fusionner la hache là. Elle est où? Elle est là. Avec du tissu. Ah non je peux pas. Par contre je peux le faire avec cette hache là. Ah non je peux pas non plus. Je peux pas fusionner avec du tissu les gars. Je sais pas c'est qui m'a dit ça en commentaire mais c'était une grosse connerie. Et là les amis ça va nous rappeler plein de souvenirs. Puisque voilà c'était ici qu'on avait commencé l'aventure. On était donc descendu de là-haut. On avait suivi ce cours d'eau et donc on va rejoindre ce cours d'eau pour aller à l'imprimante 3D, le point vert. Mais en plus, je suis complètement bête. On y était il n'y a pas longtemps. Pourquoi j'avais pas ouvert la porte? À moins que j'avais pas encore la carte magnétique? Je sais plus. Ah, je l'avais peut-être déjà pas encore. Je sais plus. Bref. Voilà, alors je profite que le temps se calme pour justement vous montrer. Donc, est-ce que vous voyez l'icône de la maison? L'icône de la maison qui est tout droit devant, là. C'est là où on avait commencé dans la neige notre première construction. Bon, on la terminera jamais probablement. C'est là-bas qu'on a vraiment plus rencontré Virginia d'ailleurs, c'est vrai. Et là, tout droit là-bas, souvenez-vous, eh ben c'était donc là voilà, il y a le radeau rouge, là où il y avait le requin. Donc c'était là-bas qu'on avait fait notre toute première construction. Et donc, ce cours d'eau là qu'on va longer, souvenez-vous, bah, c'était au premier épisode le cours d'eau qu'on avait longé. Non, au deuxième épisode du coup, qu'on avait longé pour descendre. Voilà, et on profite de ce beau temps pour se remémorer un petit peu les bons souvenirs. Alors on va pas retourner là-bas parce qu'on avait juste construit une maison préfète. Rien de bien folichon, hein. Donc là, on va directement aller à l'imprimante 3D et voir ce qui se cache derrière la porte. Il pourrait être bien sympa. Waouh. Alors, attendez, parce que je me fais pourchasser et en même temps, j'ai trouvé un spot ici, là. Qu'est-ce que c'est? Ok. Bon, c'est souvent la même chose à chaque fois, malheureusement. C'est vrai que... Je dois dire, bon tant mieux parce que si on passe à côté au moins on loupe pas grand chose. Mais on trouve à peu près toujours les mêmes trucs dans les caisses. C'est un petit peu dommage mais voilà, c'est un mal pour un bien. Encore une fois vous connaissez mon avis pour le moment sur le jeu. Je ne peux pas le critiquer encore à 100% puisque je ne l'ai pas terminé. Je peux comprendre les arguments qui disent qu'il est un petit peu vide. Mais encore une fois ce n'est que le début. Ce n'est que le début et vous allez voir par la suite, je l'espère en tout cas. Ça risque d'être assez grandiose et il y a plein de petits endroits comme ça. On est passé à côté de beaucoup de choses quand même.
Ah ouais, et là, la petite flaque d'eau que vous voyez, on va pas monter, hein, on va direct à l'imprimante. La petite flaque d'eau, c'était le spot idéal. Entre guillemets, hein, c'était le titre de l'épisode, souvenez-vous. L'épisode, le spot idéal. Là où on a vraiment rencontré aussi Virginia. Où on a compris qu'elle était gentille, quoi. Virginia Puffton, donc, la fille des milliardaires, je le rappelle. On a appris ça plus officiellement dans le dernier épisode. La caverne, elle est là, voilà. Et en venant par là, c'est évident. Et dans l'avant, où, je sais plus, il y a 3 épisodes de cela qu'on était venu par là, ça me paraissait bizarre. Eh ? Stylé, ça. Stylé. Bon, allez. Hop. On rentre dans l'imprimante 3D. Enfin, on va peut-être pas rentrer dans l'imprimante 3D dans le sens propre. Hein. Hop. Alors, dis-moi qu'il va me sortir ma lampe de poche, là, s'il te plaît. Parce que le briquet, c'est chiant. Voilà, il a tout compris. Hein. Bon, c'est pas grave. Allez, on avance. L'imprimante 3D, on va en profiter d'ailleurs parce que du coup ça respawn en masse à chaque fois. Donc on va récupérer la résine d'imprimante. Là-dedans aussi il y en a je crois, non? Pas du tout, par contre il y a à manger donc ça je prends direct. Voilà. Des petites flèches. Voilà les flèches, je suis full. Là je récupère ça aussi, voilà. Je sauvegarde un petit coup. Comme ça je me prends pas la tête. Et puis on est parti. On va voir si d'ailleurs on a une bonne carte parce que visiblement il y a plusieurs cartes magnétiques hein. On a donc, j'ai en profité pour prendre ma lampe de poche, mais on a la carte de Virginia qui est donc la, le badge VIP et on a badge d'entretien de Carl, je sais plus comment il s'appelle. Oui c'est ça, Carl Plunter, tout à fait. Putain, j'ai, hey, j'ai une mémoire de zinzin. Hein. Alors, ah oui c'est vrai qu'il y a des bruits un petit peu là. Oh ça va me faire flipper. Oh ça va me faire flipper cette histoire. Allez on y va les amis, on ouvre la porte. Directement. Oula. Oula. Oula, je suis pas sûr que j'ai envie de rentrer en fait. Hein. On voit rien. Bon, bref. Oh, c'est abusé comme on voit rien. Alors, je vais rester accroupi. Oh, c'est une salle de sport. Ah merde. Oula. Oh, c'est une salle de sport. Bon, lui, il a pris cher. C'est vraiment chouette les musiques, vraiment je... D'ailleurs j'ai cru voir que les musiques ne sont pas copyright et que l'auteur s'appelle... Alors je sais plus comment il s'appelle l'auteur. C'est quoi ce bruit? Eh, je me chie dessus, vous avez pas idée. Bref, je mettrai en description l'auteur des musiques. Parce que c'est incroyable et il devrait mettre ses musiques sur Spotify. Non mais attendez, mais il y a des bruits que j'ai jamais entendus jusqu'ici. Hein. What? J'aime pas vraiment. Les mecs, j'ose même pas avancer. Ok, bon, je vais prendre mon courage à deux mains, les gars. Je suis désolé de faire ma flippette. Je vais prendre mon pompe là. Et ça va pomper sec, frère. Attendez, attendez, j'ai combien de balles? Où c'est qu'on voit les balles? J'ai des grenades, on n'oublie pas. Voilà, 29 munitions de balles, mais c'est pour le pistolet ça. 9 mm, ok c'est ça, 9 mm je crois. Bon bref, il y en a 19, ça va. Bon, il y a des mutants classiques. Ouais, ils sont vachement aveugles. Putain, vous avez voulu me faire croire qu'ils étaient aveugles. Ils sont pas du tout aveugles. Bon, lui, je vais lui fumer sa race. Si je reste accroupi, normalement, ça devrait aller. Hein. Ok. Ah, on les enchaîne, les épisodes effrayants. Hein. On les enchaîne, mais... Ah oh, fils de... Pardon. Pardon, j'étais vulgaire. Vraiment. Je suis désolé. Je voulais pas. Je suis désolé, YouTube. Eh hey, YouTube, je suis gentil, vraiment, s'il vous plaît. Ne démonétisez pas. Moi, je suis quelqu'un de très très naturel, voilà. La flemme de me censurer. Ok, bon, bref, c'est une salle de sport, vous l'avez compris. Très chouette salle de sport, hein. Bon, c'est quoi qui fait du bruit depuis tout à l'heure, là? Hop, facile. Voilà, allez.
Ça dégage. Mais cours ! Jeu de merde ! Oh, c'est pas vrai ! Il faut des piles. Oh purée ! Oh purée de pommes de terre ! Non mais sors pas l'appel, le pompe ! Comment ça t'es pas mort ? Pourquoi il veut plus tirer ? Attendez, pourquoi il veut plus tirer ? J'ai plus de munitions ? Combiné ? Attendez, j'ai plus de munitions là ? Non, j'ai plus de munitions. Non, c'est une vaste blague. Non, c'est une blague. J'ai plus de mun. Ta gueule. Meurs. Oh, c'est pas vrai. C'est une vaste blague. Je me chie dessus. Voilà, est-ce que c'est bon pour vous? Bon. Oh mon dieu. Oh oh oh. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non, c'est pas vrai. Où c'est qu'on est là? Eh, on est au Cambodge ou quoi là? Bon, je rush, allez c'est bon. Qu'avons-nous là? Ah, ça c'est pas cool. Ok. Ok. C'est des spas, d'accord. Très bien. Des bougies. Tout est cassé. Oh. Un petit papier. J'arrive pas à lire. Allez, hop. Ça m'a saoulé. Oh là. Oh là là, c'est tellement bizarre. Oh, c'est cringe. Très joli. Allez, je monte. Oh là là. Qu'est-ce que c'est que ce délire? Eh, c'est vraiment Black Mirror, hein, par contre. Hein. Pour ceux qui ont regardé Black Mirror, vous saurez de quoi je vais vous parler. Ok, il y a des petits flamants roses, une belle piscine. C'est qui fait bon vivre. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait tout ça. Je comprends mieux les bruits, hein. Il y a du feu, là. D'accord. Tous les bruits qu'on entend. Donc là, on peut ouvrir une porte. Oh, c'est chouette. Oh, c'est chouette. Today was a good day. Ouais, c'est le... ouais, d'accord. Ouais, j'ai compris. J'ai compris. On a de l'argent. Bon, écoutez les gars, de toute façon on va être riche. Donc déjà, autant se faire plaisir. Si on échappe à la mort, on a intérêt à être riche. Ah, une guitare électrique. Oh là là, un vrai rocker. Il y en a un papier. Monsieur Pufton veut N'hésitez pas à traduire en commentaire. J'en ai marre de faire le franco-anglais. Je comprends plus rien à l'anglais, mec. Je régresse. Non mais ça s'arrête jamais. Mais il y a des cartes partout à ouvrir. C'est très joli, hein. Bon, on va commencer ici. Très bien. Ok. J'aime pas du tout. Oh, c'est chiant ça. Virginia. Ah bah Virginia Pufton, elle est entourée. J'arrive pas à lire par contre. Est-ce que si on allume la lumière, ce sera mieux? Peut-être. Bah voilà, comme ça on voit rien. C'est vraiment bien fait, hein. I have the following living child. Last will and testament of Edward Pufton. Ah, c'est un testament de Edward Pufton. Donc Edward Pufton avait prévu de mourir. Alors après, non, je m'y connais pas en fait, hein. Je pense que le testament, tu fais ça quand même à l'avance. Rail de fusil à pompe, très bien. Très bien. Très bien. Bon, c'était le testament donc de Monsieur Pufton. Donc vous l'aurez compris, il est quand même prêt à mourir. À peu près. Il n'est jamais vraiment prêt à mourir. Allez, c'est joyeux ici, hein. Est-ce que j'ai des munitions maintenant? Ah, munitions de chevrotine. Ah, munitions de balles paralysantes. Ah, d'accord, on n'a pas infini, hein. D'accord. Et là du coup je peux recharger peut-être. Voilà, j'ai 3 balles. J'ai 3 balles, donc on va faire gaffe. On va faire gaffe. Bon, il y a plein de... On va continuer par là, mais il y a plein d'endroits, hein. Oh là là. Et par contre, ça devait être ultra stylé. Ça devait être ultra stylé. Avec des lumières allumées, hein. Parce que là, on voit rien, mais...
Eh, il va y avoir un screamer, hein, les gars. Oh, badge de client. Non, mais il y a combien de badges, frère? Des médocs. C'est le badge à qui, ça? Arnold Krand. Ok. Nightclub. Oh là là, la classe. On peut y aller? On peut pas y aller. Oh, un jour on pourra y aller. Un jour on pourra y aller, je vous le dis. Ah, j'ai pas eu le temps de dire, non. Fait chier. Je sais pas comment on fait pour retrouver les papiers. Bon, bah ma foi. Si vous savez quel était le message, n'hésitez pas. Là je suis preneur parce que je crois que là ici on peut comprendre toute l'histoire à partir d'ici. Donc en tout cas c'est bien chouette. C'est bien chouette. Attendez, on fait une petite tentative de miniature. Je suis pas convaincu mais non, c'est pas une bonne idée. Ici c'est nul, on voit rien. Par contre là on va être dans la merde, hein. Parce que là j'entends du bruit et faut aller là. Et ça sent pas bon et c'est gigantesque. Allez go. Ah, d'accord. T'énerve pas, cocotte. Ça va bien se passer. Alors attends, laisse-moi dépecer le bordel. Viens voir. Voilà. Oh! Hey, mais on dirait un loup-garou, frère. Sans deck. Ressaisis-toi, mec. Ah! Tu sors d'où? Il sort d'où, lui? Ok. Bon, là, normalement, j'ai plus de balles. Là, normalement, j'ai plus de balles. Je peux pas les dépecer. Ok, donc fusil à pompe, je peux pas les dépecer. Ça, c'est bien dommage. Hop, à travers le mur. Parfait, il y a des câbles. C'est super, on a pu voir. Ah, c'est du placo, ça. Ah, si, je peux quand même... Je peux quand même les dépecer. D'accord, j'ai rien dit, c'est superbe. Toc, toc, toc. Ça, c'est un mur porteur, je reconnais. Allez. Là on est plutôt pas mal, là je peux pas le dépecer, c'est peut-être déjà fait. Ah si, je peux totalement, il faut les bouger un petit peu. Voilà, il faut être un petit peu curieux dans la vie. Ok, allez, continuons. À tout moment il y en a un qui se relève. Là j'ai plus aucune munition, hein, par contre, hein. Je veux dire, j'ai pas de pistolet. Vraiment, hein. Je suis dans la merde, hein. Si je désassemble, mais non, j'ai pas de balle, j'ai pas de pistolet. J'aurais dû reprendre le pistolet à Virginia, je le savais. Franchement, hein. J'aurais dû reprendre le pistolet à Virginia, je m'en veux, hein. Je m'en veux terriblement. Mais je pensais pas aussi que... Non mais ça s'arrête jamais. Ah, c'est des bébés. Ça va. Moi, vous savez ce qui me fait peur, c'est de rencontrer des nouveaux types de mutants que j'ai encore jamais rencontrés. Et ça, ça me fait peur. Il y a un chemin là. Oh, quelle angoisse, mais quelle angoisse! Je suis en angoisse totale, les mecs. Derrière les murs, j'entends des bruits, frère. Oh, purée. Purée, je sais même pas où aller. Je vais commencer là-bas, hein. Et même là-bas, on avait, il y a des endroits qu'on a pas encore vus, hein. Ils sont bruyants un peu, là, les beaux gosses, là. Pourquoi il se barre, lui? Oh! On va se détendre, hein. Bon, y'a quoi là? Là y'a un screamer là. Je reconnais, hein. Y'a un screamer là, hein. Oh purée. Je vais quitter ce jeu. Oh putain. Oh la vache. J'ai les mains tellement moites. Oh non, là je suis pas bien du tout. Je suis désolé mais là... Est-ce que j'ai le droit de chanter ou pas? En vrai. Pourquoi on arrive dans une caverne d'un coup là? Ok. Deux bébés, rien de grave. Salut. C'est qu'ils sont mignons en plus.
Attendez, la caverne se sépare en deux. Non mais frère, arrêtez. Arrêtez. Arrêtez, t'es où? Il est passé où là, le petit spermatozoïde là? Mais meurs! C'est pas vrai hein. Bon, je vais à droite ou je vais à gauche? Je vais à droite. Oh mon dieu. Non mais, hé les gars, où c'est qu'on va? Où c'est qu'on est? Je ne comprends rien. Oh. Vas-y, je vais toujours à droite. Bon, allez, cours. Y'a des bruits de pas partout, frère. C'est hallucinant, quoi. Ah là, si je descends, je peux plus remonter. Je pense pas que je puisse remonter, hein. Très honnêtement, je vais préférer pas descendre. On va plutôt voir ce qui se cache dans le bâtiment encore. Je préfère. Si je passe par là. Bon, y a des bruits partout, mais ça veut peut-être pas forcément dire qu'on va croiser ces gens-là, hein. Je sais pas. Je sais pas du tout. Ok, je pense que là, ça fait un tour et que ça rejoint... Non? Oh my god. Ok. Ok, ça fait un tour et ça rejoint. D'accord. Bon, maintenant, on sait ce qu'il y a ici. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a tellement de choses à voir. Oh là là. Oh mon dieu. Je vais chanter, les gars, si je stresse, hein. Non mais les bruits, c'est pas possible. Il y a des bruits de pas partout. C'est un truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Oh, j'ai failli passer à côté de ça. Ouais. Moi, j'éteins pas la lumière, j'ai trop peur. Je m'en bats les couilles. Je deviens fou, les mecs. Je deviens fou. Salut. Oh, ils se sont attaqués entre eux, les débiles. Allez, mange. Oh putain. Ah bah j'ai bu. Qu'est-ce qu'on a là? Une... Oh ta gueule. On a récupéré la tronçonneuse. Alors par contre, je m'attendais à tout sauf à ça. Autant je m'attendais à beaucoup de possibilités. Mais je m'attendais pas à ce qu'on... Mais d'où il y a une tronçonneuse ici? Ça n'a pas de sens. Je pensais pas que ce serait une tronçonneuse qu'on trouverait ici. On a une tronçonneuse. Bon, ça c'est pas mal. Par contre, on n'a pas de carburant aussi. On n'a pas de bidon d'essence. Donc comment la tronçonneuse est censée fonctionner? Elle est où d'ailleurs la tronçonneuse? Parce que c'est bien mignon d'avoir une tronçonneuse, mais si on peut pas l'utiliser, c'est un peu débile. Tronçonneuse. Alors je vois la... Avec quoi tu peux combiner ça? Je ne sais pas. J'ai jamais trouvé de bidon d'essence encore, hein. En vrai de vrai. Ça me paraît curieux. Bon, ça valait vachement le coup, on a une tronçonneuse. C'est génial. Et il y a des flèches au plafond. Très bien. Y a rien d'autre? Ok. Est-ce qu'on continue dans la caverne? Ça, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'on continue dans la caverne ou est-ce qu'on regarde si on n'a pas loupé des trucs dans le bâtiment? Moi, je pense, faisons demi-tour maintenant qu'on sait où c'est qu'on peut aller. Parce qu'on sait qu'on peut aller dans la caverne et descendre. Retournons dans le bâtiment. On a dû louper des trucs. On a dû louper des trucs. Donc à droite, on sait. Mais en bas, à mon avis, on a dû louper des trucs. Donc on va redescendre. Et prenons notre temps. Chillons un petit peu. On sait juste qu'il y a deux. Enfin, il y a une grande créature qui nous attend en bas. Si ce n'est plus. Ah bah là, voilà la créature d'ailleurs. Alors attends, est-ce que j'ai des munes encore ou pas? Ah, j'ai plus de munes. Oh putain. J'ai plus du tout de munes. Attendez. J'ai vu une rumeur. J'ai vu une rumeur. J'ai vu une rumeur. Ouais, ça marche bien. Ça marche bien, hein. Et c'est pourquoi ça marche pas? Parce qu'ils sont totalement aveugles.
tout simplement. Alors regardez bien ce qui va se passer. Parce que ça va être du gâteau, ça. Ça va être très joli. Ok, d'accord, j'ai compris, je pourrais rien faire. Bon, on va prendre notre temps, heureusement que le jeu est en pause. Médicaments, on va mettre de l'armure. Armure effrayante, très bien, on va pas tout mettre parce que je vais me faire violer. Donc ça sert à rien. Allez, attaque, hop. Et voilà, et là ensuite, qu'est-ce qu'on fait? On prend un cocktail Molotov directement. Qu'on ne peut pas allumer. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce qu'il faut qu'on ait le briquet dans l'inventaire. Donc ça c'est vraiment formidable. Ça a été super bien pensé. Hein, je pense qu'on peut le dire. Voilà, venez voir. C'est formidable. Heureusement ils vont dans le feu et ça marche pas, d'accord. Voilà. Bon. Donc là vous prenez feu, ils ont l'air de kiffer. Bon, très bien. Ah bah voilà, c'est bon, ils sont morts. Voilà, il en fallait pas plus. Il en fallait ni plus ni moins. Bon, écoutez, c'est formidable. Je me chie absolument dessus. Mais moi je kiffe. Je kiffe. Vraiment, hein. C'est vraiment parce que c'est Sons of the Forest, hein. Mais sinon, moi, les jeux d'horreur, c'est terminé, hein. C'est ciao. Moi, j'en fais plus jamais de ma vie, hein. Bon, qu'est-ce qu'on a loupé ici, alors? C'est très chouette, hein. Là, par exemple, il y a un petit accès. Bah, regarde, il y a encore plein de trucs. Oh, des vêtements pour Virginia. Pour pouvoir l'habiller. Par contre, j'ai trop envie de me baigner, là, dans l'eau, là. Ah, oui, bon, là, j'ai plus envie. D'accord. On a loupé encore quelque chose parce que si on revient ici, il y avait un autre accès derrière, souvenez-vous. Bon, normalement c'est safe là. Ouais. Voilà, derrière il y avait un accès. Nous on est venu de là-bas, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Le boss final. Lol. Ok, je pense que ce sera un cul-de-sac. Je l'espère parce que sinon je sais pas où aller, hein. Oh putain. Oh les salauds, quoi. Bon, j'ai pas besoin de la hache. Hop, allez, saute. Voilà. Toi t'es mort. Voilà. Faut leur mettre deux coups, hein. C'est important parce que sinon ils se relèvent. Et là je suis pas sûr qu'ils soient morts. Si, il est mort, c'est bon. Faut leur mettre deux coups. Là on a quoi? C'est un cul-de-sac. Voilà. Vas-y, saute. Voilà. Un coup. Voilà. Très bien. Ok, c'est vraiment un cul-de-sac. Donc c'est bon, on a rien loupé. Je pense pas. Dans l'eau, voir. C'est le mec qui met sa combinaison pour aller dans une piscine. N'importe quoi. Je vérifie que j'ai vraiment rien loupé. D'accord, très bien. Ah, je vais enlever la... J'adore quand on prend notre temps comme ça, les amis, parce que non seulement on avance, pour de vrai, moi j'ai ma dose de culotte noire. Ah, attendez, on peut se faire un petit screenshot là. Je suis pas convaincu que j'utiliserai, pour être honnête. Mais au moins j'ai fait le screenshot. Ok. Vous savez ce qu'on va faire? Non, on va avancer. On va même pas sauvegarder parce que j'ai peur que si je sauvegarde. Et puis de toute façon. Mais non, mais vous savez quoi? Ça mange pas de pain. Je vais faire la sauvegarde avant de rentrer dans la caverne de nouveau. Et regardez, je suis sûr qu'on a loupé des trucs là. Oh, c'est trop stylé. Et la musique. Ah, ils sont emballés, steak. La musique, ça continue. Très bien. Ah, un petit papier. Join us in the dining hall Monday for a special performance. Ah, bah ça devait être la salle où on était dans le dernier épisode. Bon, enfin, peu importe. Tout le monde est mort. Ok. Bon, là, on a rien zappé. Et ça, c'est trop la classe quand même, hein. Ça c'est trop la classe quand même, hein. Je vérifie parce que ce serait dommage de passer à côté de quelque chose. Ok. Tu vois, genre du tissu là, c'est toujours sympa d'avoir un petit peu de tissu. Ok. J'aime bien. Là j'aime bien. En bas ça faisait un peu flipper, mais là j'aime bien. C'est moins... Ça fait moins... Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça va mon ref? Tu tapes la pause? Attends, mais ça va être toi ma miniature. Attends, ça va être toi ma miniature, bouge pas. Il est complètement fou lui. Ouais, ça fait moins Black Mirror.
Bon, on est quand même sur du Black Mirror x 1000, mais bon. Voilà. Alors, je sais que j'ai faim, je sais que je vous stresse, les amis, mais moi, j'aime vous stresser. Donc là, on va à droite. Et on va rentrer dans une caverne. Ça pue la merde, cette idée. Mais j'aime bien. Et donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on pose une bâche. Je ne peux pas poser de bâche. Je vais la poser plus loin. Ne vous inquiétez pas. Ce sera possible. Je ne peux pas poser de bâche. Vous savez pourquoi je ne peux pas poser de bâche? Moi, je vais vous expliquer pourquoi. Sauf si là, je peux. Attendez. Je peux vraiment pas poser de bâche? Ah, si, je peux. Ok. Non, en fait, je pensais que si on pouvait pas poser... Enfin, si là, on pouvait pas poser de bâche, ça aurait voulu dire qu'on était à la fin du jeu. Voilà. Je vous le dis, je connais les mécaniques de gaming, de gamers. Bon, ce qui n'est pas le cas, hein. Donc, du coup, c'est pas la fin du jeu. Soyez-en rassurés. Allez, on y va. On va manger un petit coup avant de descendre parce que je sais pas du tout où c'est que ça va nous mener cette histoire. Eh, je vais manger des baies. Ça fait longtemps que j'ai pas mangé de baies. Bon, allez, c'est bon, ça m'a saoulé. Un petit sneaker, ça fera bien l'affaire. Hop. Et on y va. Je rappelle que j'ai pas d'armes. Ok. Bon, par contre, si c'est une sortie de grotte, c'est cool. Et c'est une sortie de grotte. Magnifique. Oh, je kiffe. Oh, je kiffe. Ok. Ça me plaît. On est où? Il est 17h. On est juste à côté de l'entrée. Le point vert, c'était l'entrée de la grotte, hein. L'imprimante 3D. D'accord, très bien. Et là, il y a une grotte là-bas qui est marquée. Allez, on y va. On va enchaîner directement avec la grotte là-bas. J'ai aucune idée de... Oh, les gars, venez, la nostalgie. Alors là, les gars, ça va être vraiment la nostalgie. Vous savez pourquoi? Tout simplement parce que littéralement, le premier épisode, nous l'avons passé ici. Voilà, directement, messieurs, dames. Voilà, ici. Le tout premier épisode, j'ai encore quelques restes. C'est excellent. Le premier épisode, on était là. C'est vrai que ici, c'était vraiment le coin idéal, hein. En vrai de vrai. En vrai de vrai, ici, ça aurait été le coin idéal pour s'installer aussi, hein. J'aime bien. Bon, on va rester près de l'eau, au moins on est safe si jamais on se fait attaquer. Et on va essayer d'aller à la caverne. Je sais pas du tout c'est quoi. Puis comme il va faire nuit, ça tombe bien, comme ça on va dans la grotte directement. On enchaîne les grottes, hein. J'espère que ça vous va, les amis. C'est juste à côté. Ce serait débile de rentrer à la maison pour revenir plus loin ici. Parce que ça fait de la trotte, hein. Là on est à l'opposé de chez nous quand même, hein, de nouveau. C'est vrai que... Et puis il faudra qu'on remonte à la montagne aussi dans la neige. Je suis assez curieux de retrouver notre hélicoptère. Ah, c'est sympa ici aussi là. Alors pardonnez-moi pour le manque de luminosité. Je me demande si on était déjà pas rentré ici. Non, je suis pas sûr. Très bien. Je me demande si on est déjà pas allé là. Je sais plus. Je sais plus du tout. On va très vite s'en rendre compte. Non, on n'est jamais allé là. Je crois qu'on n'est jamais allé là. En tout cas, les amis, j'ai compris que vous voulez des épisodes d'une heure. J'ai du mal à faire des épisodes d'une heure, vous remarquez. Parce que souvent, je fais des cuts. Donc là, je vais essayer de faire un épisode d'une heure. En espérant que ça vous plaise, vraiment. J'espère sincèrement que ça vous plaît. On va se manger une petite ration. On va s'ouvrir aussi les conserves en vrai. Il est où mon machin pour ouvrir? Là. On va ouvrir pour que ça fasse de la place et que je puisse en ramasser de nouveau. Parce que ça fait de la bouffe quand même, hein. Alors c'est de la nourriture pour chat, je crois. Voilà. Bah mine de rien, ça régale. Hop, comme ça je peux récupérer. Voilà, mine de rien, ça régale. Alors, est-ce qu'on a déjà été là? Je suis peut-être un peu Alzheimer. C'est possible. Franchement, si on a déjà été là, je suis désolé. Oh, mais oui, les gars, c'était la toute première grotte. C'est là où je suis mort la première fois, en fait. Oh,
Ouais d'accord, on était déjà là, ça sert à rien d'y aller. Allez hop, on se casse. On se casse. On a déjà été là les amis. Bon bah écoutez, on va regarder où c'est qu'on va aller, ce qu'on va faire. On va un petit peu réfléchir à la suite. Est-ce que vous pensez que je peux dormir ou pas? Parce que là il y a les indigènes juste à côté. Donc, ça va être ça la question, est-ce qu'on peut dormir ou pas? Parce que j'ai pas envie de marcher de nuit moi. Allez on essaye. Ouais c'est parfait. C'est parfait, on a pu dormir. Bon bah écoutez, on a de la chance. Allez on peut sortir. Normalement il fait jour. Parfait. Voilà nickel, c'est l'automne. Par contre bientôt il va reneiger je pense hein. Et ça va être terrible hein. Oh Calvin il m'a fait trop peur. Oh 7h31. Il m'a fait trop peur ce salopard. Bon regardons un petit peu. Le point vert donc c'est fait, c'est l'imprimante 3D hein. Là c'était notre maison. Le point vert. Eh on refait le tour de la map les gars. Eh j'en ai rien à péter. De toute façon on est parti pour. Notre base elle est là-bas. Donc là on est parti pour faire le tour de la map. Alors je vais vous épargner bien sûr les moments un petit peu relous. Mais c'est ça ce qui est sympa. C'est que pour l'instant le seul épisode d'une heure que je vous ai proposé, c'était un épisode où on avait fait le tour de la map. Mais pour pas grand chose. Là aujourd'hui je vous propose un épisode d'une heure où on fait que de la découverte mine de rien. Hop. Ah merde. Pas bon. Pas bon, pas bon. Là on fait que de la découverte et on refait le tour de la map. Et au moins ça nous permet, parce que vous voyez il y a des cavernes aussi là. Puis je suis pas passé par là. Moi quand j'ai fait le tour de la map j'ai quand même pas mal longé les rebords. Là au moins on fait en intérieur. Et là comme j'ai ma pelle on va pouvoir justement probablement déterrer. Là le point vert il me semble que c'est un village indigène. Souvenez-vous, il me semble que c'est un village indigène. Sauf que là cette fois-ci je vais pouvoir déterrer quelque chose. Et ça c'est chouette. Par contre, si je dois donner mon avis, maintenant je peux me permettre de me donner mon avis. Oh purée de pommes de terre. Je ne comprends pas. En fait, la pelle, on en a chié pour l'avoir. Alors, on a eu beaucoup de chance. Il y a beaucoup de cannibales hein. On a eu beaucoup de chance. Ouais ouais, calmez-vous. On a eu beaucoup de chance parce qu'on est tombé dessus. Ah mais c'est qu'il y a du monde là. Mais en fait je trouve ça fou. Ouais les mecs. C'est... Non mais stop. Mais là je suis dans une zone ultra dangereuse là. Putain. C'est pire que dans les grottes là. Oh. Quand je vois des pierres comme ça je me dis qu'il y a quelque chose. Mais il y a que dalle. Bref, voilà, ce que je voulais dire c'est que pour avoir la pelle c'est un scandale. Sachant que la pelle on en a besoin pour des trucs très importants évidemment. Mais je trouve ça débile parce que la pelle c'est quelque chose qu'on pourrait crafter quoi. On est capable de se fabriquer une hache, une lance. On peut se fabriquer des armes. Mais creuser de la terre on peut faire ça avec la main. On peut se fabriquer une pelle. Voilà, c'est des trucs que je ne comprends pas. Oh, c'est magnifique, on est passé à côté de ça? Non. Je sais plus si on était déjà passé par là une fois. Par contre, si on a loupé cet endroit, on est des grosses merdes. C'est magnifique. Oh là là. Ça régale. Ok. C'est vraiment beau. Hein. Et là, il y a des tortues. Trop mignonnes. Attendez, je pense que ça va être ça le screenshot. Parce que c'est très joli. Hein. Attendez, regardez, on va se mettre comme ça. Et hop là, le screenshot. C'est beau. Très très beau. Bah non, en plus c'est à côté de notre première maison. Enfin je suis mort. On est passé à côté de ça quoi. Alors qu'on était passé juste en dessous en fait. Mais oui on avait traversé. Ah on était passé juste en dessous. Quel débile. Oh non. Ah bah il reste plus rien. Très bien. De la corne, bâche, chouette. Eh on en trouve des trucs quand même hein. On en trouve des trucs quand on explore hein. J'aime bien. C'est là je suis vraiment très 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 content de profiter pleinement du jeu. Et j'ai la chance d'avoir une belle communauté qui me suit pour le coup. Et je vous en remercie énormément parce que voilà, c'est là que je suis content de pas avoir rush le jeu.
Alors j'ai rush le jeu pour vous, je veux dire, proposer le plus tôt possible du contenu dessus, et j'avais tellement hâte de mettre la main dessus. Mais par contre, ne pas se précipiter pour terminer le jeu, quoi. Et j'ai la chance que vous me suiviez dans tout ça, et vraiment c'est un truc de malade. Je pense que pour l'occasion, je vais essayer de vous régaler dans la mesure du possible. Je pense qu'à la fin du let's play, je vais essayer de vous faire un petit concours ou quelque chose comme ça. Ça pourrait être bien sympa. Et oui, là, il y a un camp indigène également là. Oui, totalement, totalement, totalement. On va les laisser tranquilles. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est le camp indigène plus loin. Hein, on sait que c'est un camp indigène sur le point vert là-bas. Alors, ce qui m'embête un peu, c'est que on en avait chié. Et là, va falloir de nouveau en chier. Et ça, c'est terrible. Vraiment sympa ce petit chemin là. Eh, j'aime bien hein. J'aime bien. Alors j'ai regardé sur Steam un petit peu les achievements. J'en ai pas énormément hein. J'ai pas débloqué énormément d'achievements, mais quand même. Ça concerne surtout tout ce qui est construction. Et puis j'ai regardé, je crois que je suis à 15 ou 16 heures de jeu, quelque chose comme ça. C'est pas énorme. Mais je pensais quand même que j'en avais fait moins d'heures de jeu. Et ça c'est fou. Trop mignon les petits écureuils. Ça c'était quelque chose qui manquait sur The Forest. C'était de... Les écureuils, il n'y en avait pas beaucoup. Et là il y en a beaucoup. Et ça c'est chouette. Ok. On y arrive. On y arrive. Est-ce que c'est vraiment un camp indigène? Ah oui, totalement. Totalement. Mais nous on va s'intéresser au point vert. Il est peut-être pas dans le camp indigène d'ailleurs. Ah ouais, il est en extrémité du camp indigène. Alors si on a moyen de les éviter, moi je dis pas non. Regardons les arbres. Ok. Ils m'ont vu. Ah, totalement, ils m'ont vu. Ouais, d'accord. Donc peu importe ce que je fais, ils me verront. Et ça, c'est chiant. Ah, purée. Bon, ça se passe où? Ça se passe ici. C'est là qu'il faut creuser, d'accord. Ok. Bon, j'ai trouvé l'endroit où il faut creuser. J'ai l'impression qu'il n'y a pas de méchants. Ah si, ils sont là-bas. Mais ils m'ont pas vu. Il n'y a que les cannibales qui m'ont vu. Oh, ça y est, ils vont me voir. Oh, j'ai trop le seum. Dégage, toi. Allez, on creuse. Tout ça pour un truc de merde à tous les coups. J'ai déjà trop le seum. Dégage. Mais allez, mais défends-toi, Calvin. Non, c'est pas Calvin. À quelque chose là. Pourquoi y'a personne d'ailleurs? Bon, c'est quoi qu'on va retrouver? C'est une tombe. C'est une tombe déjà. C'est une tombe. Et là on va prendre cher. Et là on va prendre cher parce qu'ils sont au moins 12. D'accord. C'est super. Eh oh. Tu vas te détendre toi. Ok, très bien. C'est là qu'il me faudra une arme. Virginia, tu es où? Virginia, j'ai besoin de toi. Putain, j'ai trop le seum. Virginia, elle me sert à rien. Oh, toi, t'es... Oh, toi, je t'ai fini, toi. T'es finito, toi. Eh, la hache, elle est incroyable. La hache, elle est incroyable, par contre. Je lui ai mis un coup, hein. Un bon coup bien placé. Eh, vous êtes bruyant, là. Vous êtes grave bruyant, là. Allez, affronter les cannibales, je sais pas moi. Arrête! Ok. Un coup bien placé, franchement ça repart. Hop. Oh là 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 là, je lui ai découpé la tête. Oh là là, c'est impressionnant. Oh, il m'a paré. Oh le bâtard. Ah. Bon, je vais vous inquiétez pas, je vais me rééquiper, j'ai ce qu'il faut. Normalement. Armure de feuilles? Ah non, je croyais que je pouvais faire une armure de feuilles là, mais pas du tout. Hop. Voilà. Je te fais peur ou pas? Est-ce que je suis impressionnant? Mais purée. Oh, je vais te baiser toi. Tu m'as saoulé. Eh, par contre, je suis très vulgaire, je m'en excuse. Vraiment, hein. Attends, je peux reprendre mon couteau maintenant. C'est bon les mecs? Vous avez fini? Ah, parce que c'est pénible, hein. Oh, c'est lourd la terre. Oh, c'est lourd. Ok.
Qu'est-ce qu'on va trouver? Allez, un petit effort. Dis-moi qu'il y a une arme. Allez. Terrible. Vous savez que faire ça, ça me rappelle de très mauvais souvenirs. Bon, je le dis. Je le dis sur le ton de la déconnade, mais. Enfin bref, toi-même, tu sais quand tu perds un animal par exemple. Voilà, j'en dis pas plus, vous avez très bien compris où je voulais en venir, mais ça me rappelle un peu des mauvais souvenirs quoi. Moi, j'en ai moins chié quand même pour creuser mon trou que là, le trou que je fais, hein, si je puis me permettre. Bon, alors toi, mon pote. Toi, par contre, tu me. Eh, hey, reviens! Voilà! Merde. Voilà, ça dégage. Allez. Vraiment, les cannibales. Je sais pas si c'est les pires, mais ils font chier. Oh, toi. Allez, hop. Oh! Non, mais ça va là! On va se détendre un petit peu! Non, mais ils sont tellement nombreux. J'en vois encore derrière quoi. Est-ce que c'est bon? Allez. C'est pas vrai. Mais c'est pas vrai. Tiens, prends un coup de pelle. Oh, j'ai reçu un achievement. C'est qui chiale là? Je suis en train de déterrer vos morts. Est-ce que c'est bon pour vous? Allez. Désolé, je parle pas trop, j'essaie de me concentrer sur les bruits. Pour être sûr de. Je suis en train de découper le cadavre en même temps. Bon là je comprends pas ce que je creuse mais. Ah c'est bon. Oh c'est une trappe! Génial! Ça va être une trappe. Donc qui dit trappe dit endroit de malade. Allez. Faut vraiment pas être pressé hein. Et bah pendant ce temps là les amis, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne YouTube, n'hésitez pas à vous abonner parce que c'est la phrase que tout le monde dit mais c'est réel. Il y a un certain nombre d'entre vous qui regardent le let's play, je vous en remercie énormément, mais vous n'êtes même pas abonné. Et je pense que vous ne le regretterez pas. C'est totalement gratuit. Ah, ah, il voulait juste me faire peur. Trop drôle le mec. Trop drôle. Bon allez. Du coup voilà, abonnez-vous. N'oubliez pas le petit pouce bleu bien sûr si le contenu vous plaît pour m'encourager, sachant que j'essaie de vous proposer la meilleure qualité possible. Alors pas de la 4K puisque je ne suis qu'en 2K, mais en tout cas voilà. Allez c'est parti, découvrons ce qui se cache derrière cette trappe. C'est également de la maintenance. Maintenance B, d'accord, très bien. Donc là où on était tout à l'heure, enfin dans le précédent épisode, c'était maintenance A. Donc là c'est maintenance B. Est-ce qu'il y a un maintenance C? C'est une bonne question. En tout cas on descend. On descend. Et c'est très spacieux. Très bien. Alors on sait que c'est pas forcément safe, donc on va quand même y aller avec précaution. Voilà. On va se faire attaquer par un truc, on va rien comprendre. La 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 la. Ouais, c'est le même. C'est le même setup. C'est comme maintenance A mais différent. Et là-dedans il y avait une hache que j'ai failli louper. D'accord, très bien. Mais on n'était pas là encore les amis, hein, vraiment. Hein. Bah d'ailleurs vous voyez il y a de l'eau par terre. Alors que dans l'autre maintenance A il n'y avait pas d'eau par terre. Alors on en profite, on va manger. Hein. On va se servir. Hein. Servons-nous, voilà. Prenons tout ce qui peut être intéressant. D'accord. Donc il y a une imprimante 3D également ici. Silencieux. Oh, on va pouvoir mettre un silencieux au pistolet, frère. Incroyable. Frère, frère. Ah c'est un petit peu moins en bon état ici hein. Oh ouais. Et du coup c'est que c'est un peu plus safe aussi. Donc là je peux sauvegarder également. Putain c'est fou, on est au 28ème jour quoi. Alors ils sont tous morts dans d'atroces souffrances hein. Ah mais doc, je vais quand même en consommer un. Ça va mon ref? Attends, y'a rien à récupérer ici. Oh, un arc à poulie. Oula. T'as une tête très bizarre frère. D'accord, on a récupéré un arc. C'est un truc de dingue.
C'est un truc de dingue. Bon, très bien. Je pense qu'on a rien loupé. Là, il propose rien de nouveau, je pense. Est-ce qu'on peut avoir plusieurs flacons? C'est une question que je me pose. Ça coûte rien d'essayer. Oh, les piles se changent toutes seules. Je savais pas. Allez, voyons voir. C'est une vraie question, parce que si on peut avoir plusieurs flacons, c'est toujours sympa pour l'eau, quoi. Par contre, j'entends des bruits autour. Et ça, j'aime pas. Ok. Et je peux pas. Bon, bah, je viens de gâcher, mais c'est pas grave. Au moins, je le sais. On peut pas avoir plusieurs bouteilles. Ok, très bien. Bah, d'ailleurs, on va en profiter pour boire un petit coup de soda énergétique. Hein. C'est cadeau, c'est Bibi qui régale. Ah, bah, c'est chouette. Et franchement, dans cet épisode, on aura découvert plein de choses. Je vérifie que j'ai rien loupé. Une dernière fois. Voilà. Ça aurait été dommage de passer à côté. Très bien. Très très bien. Allez. Ouais, on s'arrache. C'est vraiment pas mal. C'est vraiment pas mal. On avance de ouf, quoi. Je sais pas du tout où c'est qu'on termine le jeu, pour être honnête. Mais c'est pas pour me déplaire. En tout cas, on a un arc. On a récupéré un arc. On a récupéré un silencieux pour le pistolet. Je pense que le pistolet, puisque c'est... On récupère des munitions de pistolet très facilement. Oh, Kelvin. Beau gosse. Ouais, ouais, je l'ai vu, t'inquiète. On va se barrer, Kelvin. Suis-moi, Kelvin. On fait le tour de la map, là. Même, tu sais quoi, bah, y a une caverne, là. Vas-y, on va rentrer dans la grotte, là-bas. Je pense que je vais récupérer le pistolet à Virginia, lui donner le fusil à pompe. Wesh. Vu qu'elle a des balles infinies. Et comme ça, je mets le silencieux au pistolet. Et je me mets vraiment bien avec le pistolet, quoi. Par contre, la caverne, il me semble qu'on y était rentré. Justement, dans l'épisode où on avait fait le tour de la map. Oh, wesh! J'avais même pas vu l'avion! C'est une piste de décollage! Oh. Attends, on est passé par là, j'ai même pas vu l'avion. Eh bah, eh, heureusement que je repasse ici. Hein. Heureusement que je repasse ici. Non, mais what? C'est incroyable. De l'argent. Eh, moi j'aime l'argent. Oh, par contre, eh. Voilà, on a la miniature, hein. Je préfère vous le dire. Oh, il y a des valises et tout. Alors attends, est-ce que j'ai pas un petit bâton là? Non, j'ai pas de bâton, dommage. Hop. Allez, on récupère tout ce qu'on trouve. Très bien. Oh, j'aime ça. J'aime. Un petit sneaker? Allez. Ça fait toujours plaisir. J'adore ce jeu, je vous l'ai déjà dit. Ouais, il me semble, hein. Je suis pas sûr, hein. Je crois que je l'ai déjà dit. Circuit imprimé. Oh là là, mais attends, mais ici c'est grave bénef. What the fuck? T'as des médocs à l'infini là. Allez, un petit sneaker. Non, franchement c'est chouette. Alors Kelvin, il est où là? Il est pas capable de se dépêcher en fait, hein. Virginia, bah Virginia, je pense qu'on va la retrouver, mais je sais pas pourquoi elle. Vous pensez qu'elle est morte? Elle vient plus me voir, vous pensez qu'elle est morte? C'est une vraie question, hein. Là, il y a du caddie de golf également, là. Peut-être des trucs à déterrer, je sais pas. Non! Oh! C'est magnifique! Un élan! C'est un élan, frère! Oh! C'est gentil, hein. Oh, c'est magnifique. Non, mais ce jeu est incroyable. Eh, je savais même pas. On est au 13ème épisode. Bon, l'épisode de la chance, hein, c'est pas pour rien. Épisode 13, je découvre un nouvel animal sur le jeu. Vraiment. Le truc de zinzin. C'est un truc de zinzin. Alors, je voulais aller dans la caverne à droite, mais en même temps, il y a une autre caverne qui nous attend également. Là, je regarde un petit peu ce qu'il y a. Bon, là, il n'y a plus rien, visiblement. Si ce n'est des cannibales. Eh ben, on va aller dans la grotte. Et si ça se trouve... ça, c'est des animaux. Attendez, je me fais courir après, là. Ouais, c'est bien ce que je disais. C'est bien ce qui me semblait. Oh là. Oh là. Je ne fais que passer. Mais c'est qui m'attaque en plus, les salauds là. Ouais, on va rentrer dans la caverne. Laquelle on était déjà rentré, me semble-t-il. Même pas sûr.
Et peut-être qu'il fallait une carte magnétique, je sais plus. Oh. Ah mais ils s'attaquent entre eux. What? Ils sont bizarres. Ils ont une drôle de façon de s'aimer, eux. Ah oui, ça c'était la caverne. Ça sert à rien qu'on y aille, d'accord. Oh. Ok, on va y aller. On va y aller. On va y aller, on va se sécuriser. Vérifions. Eh, tu sais quoi? On n'est jamais trop prudent maintenant qu'on a tout ce qu'il faut. Je me souviens plus exactement si on avait tout vu ou pas à l'intérieur. Alors, voilà. Ah bah, il y a toujours notre petit feu d'ailleurs, ça c'est pas mal. Très bien. Bon, là il y a les boîtes. Et puis là, ça menait à nulle part. Il n'y a pas un accès vers le haut peut-être? Non, non, c'est vraiment un cul-de-sac, c'est bizarre en vrai. Hein. C'est bizarre. Bon, moi j'en profite, je récupère des trucs là. Et on va ressortir illico quoi. On va ressortir illico. Et on va aller à la caverne d'à côté, laquelle on n'est pas encore rentré. Et il y a plein d'endroits comme ça de cavernes où il fallait un badge. Donc c'est ça ce qui est pas mal. Maintenant qu'on a les badges, on peut se faire plaisir. Allez, on va suivre le cours d'eau. On va rejoindre Kelvin en même temps. Et on va grimper par là parce que je pense que les indigènes sont pas capables de faire ce que je fais là. Ça permet d'être assez tranquille. Hop. Du coup, on a une étendue d'eau là-haut. Laquelle j'ai pas encore. Enfin, je suis encore jamais allé là-haut. Hein. À ce lac-là, si. Non, on me dit pas que c'était le lac gelé. Non, c'était pas ici, c'était plus. Non, c'était là-haut. Vous voyez le lac dans le coin en haut à droite du téléphone? C'était là-haut que le lac il était gelé. Et que j'avais jeté un cadavre du haut d'une falaise. Voilà. Voilà, c'est la petite anecdote, comme ça vous voyez de quoi je veux parler. Pour ceux qui ont suivi tout le let's play. Et d'ailleurs, ce sera notre prochaine destination. Parce qu'il fallait. Non, je crois qu'il y avait rien dans la caverne. Oh, je sais plus maintenant, j'ai des trous de mémoire, les gars. Bon, ce qui est bien, c'est que là, on refait le tour de la map. Mais surtout, on n'est jamais allé là. Et ça, c'est chouette. Très joli. J'ai vraiment pas hâte qu'il neige, hein, par contre. Même si à tout moment, au jour 30, il neige. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Je crois que c'est tous les 10 jours qu'il neige. Visiblement. Parce que là on est à quelle saison? Mais non, mais c'est ça, on est. Mais non. Là on serait peut-être au printemps, non? Je sais pas. J'en ai aucune idée, les gars. Et là on se rapproche de la neige. On se rapproche de là où on s'est crashé. Wouah. Là aussi c'est joli. Hein. Là aussi c'est joli. Ok. Waouh. Oh. Oh, c'est vraiment la classe quand même, hein. Bon, la caverne elle doit être juste en dessous. Donc on va descendre tranquillement. Comme ça là. Tac. Voilà. Ah oui. Oh. Eh, c'est vraiment mais bon bref. J'adore. Bon, je sais pas où c'est qu'on va mais on y va. Et ça c'est beau. Et ça c'est beau. Oh mon dieu. Ok. On a de l'eau partout. Ça m'a l'air d'être également un cul-de-sac en vrai. Hein. Je pense que ça mène à nulle part. Et c'est pas pour me déplaire. Hein. Parce que depuis tout à l'heure, on se promène. Hein. Oh, il y a une Bible. Incroyable. Ok. Bon, y'a que des rations pour chat, c'est quand même vachement curieux. C'est quand même vachement curieux. Bon, là ça mène à nulle part. Là. Encore une caisse. Très bien. Et là. C'est confirmé, ça mène à nulle part. Alors j'aime bien regarder toujours en haut, voir si y a pas un accès. En plus, y'a aucun bruit, y'a rien. Très bien, d'accord, y a absolument que dalle. Bon. Et ben, vous savez quoi, les amis? On va s'en arrêter là pour cet épisode. Je pense qu'il aura duré assez longtemps et j'espère que vous vous êtes régalés. Vraiment, hein. Et dans le prochain épisode, on va continuer de faire le tour de la map. Donc, la deuxième partie du tour. Même qu'on va monter vers le crash d'hélico. Vous savez quoi? Dans le prochain épisode, on va faire l'ascension du crash d'hélico, là où on a commencé l'aventure, pour traverser de l'autre côté de la map en passant par là-haut.
Ça peut être assez intéressant, je pense. On va faire ça, les amis. J'espère que vous êtes régalés. Je compte sur vous pour me bombarder la barre de like. Je peux pas mettre dans l'eau la vache, c'est logique. Je compte sur vous pour me bombarder la barre de like. J'ai hâte de lire vos commentaires, vraiment. Et moi, je vais pouvoir me poser tranquillement. Regardez, juste ici. Magnifique. Allez, les amis, je vous fais plein de bisous. C'était Mkolo. Et à demain, 19h. Ciao tout le monde!